Recoucou toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 18e épisode du Let's Play. Après avoir visité l'ancienne demeure du précédent porteur Basilus et de sa protectrice Aelia, on a découvert qu'en fait l'ordre, eh ben, il faisait des petites expériences sur lui. Et que du coup, bah, apparemment, ce qui était du coup la, sa sœur, la protectrice Aelia, elle s'est rebellée contre l'ordre. Et du coup, en fait, ils l'ont emmenée dans une chapelle qui se trouve dans un fort. Donc ça va être notre mission du jour, direction la chapelle dans le fort. Sans plus attendre, place au jeu, en avant, let's go. Très bien. Personne n'a rien vu. Bien joué. Surtout toi, Hugo. J'ai jamais vu un enfant aussi discret. Écoute, s'il n'y a pas de fort dans ton rêve, alors on cherchera la tour ronde, d'accord? D'accord. Et peut-être qu'il y a de nouvelles décorations pour la fête? Let's go! Trouver la tour ronde. C'était... J'arrive même pas à savoir ce que c'était. Moi non plus. Mais au moins, on a une piste. Pragmatique, ça me plaît. Pourquoi ne pas retourner voir cette carte? Sauf si tu sais où se trouve cette tour. Oui, pourquoi pas. Tout ça, c'est de la folie. Mais je n'arrive toujours pas à croire que toi, tu sois allé au couvent. Ma mère est issue d'une famille riche. Ils n'ont pas été particulièrement contents d'apprendre que mon père était contrebandier. Alors ils m'ont envoyé dans un couvent, pour me nettoyer de ses péchés. Ça n'a pas tellement marché, apparemment. Mieux vaut être dans le péché et libre. Alors je me suis enfuie, j'ai rejoint mon père et... Il faut faire attention. Si mon rêve s'est trompé, il y a peut-être des choses encore pires. Hé, hey, regarde autour de toi. Tout va bien. Ça remonte à des siècles, non? Elle a raison. On est avec toi. Mm-hmm. J'attends, il n'y a plus personne. Et refaufilade. Je vais voir comment elle se faufile. Attention en descendant. D'accord. Wouhou. Bon, alors, est-ce qu'il y a une tour par ici ou... Non, mais ce symbole pourrait être notre chapelle. La capella où ils l'ont emmenée. Tu as raison. On dirait qu'elle brûle. C'est un dessin. Donc, sachant que le sanctuaire est là, je pense que c'est sur le chemin du grand arbre décoré, sûrement après les moulins. Alors, on est sur la bonne voie. Allons-y. Hé, Hugo, en chemin, on pourra voir où ils en sont de la fête. D'accord. On verra peut-être des feux de joie ou d'autres activités sans danger. On pourra toujours jeter un œil. Je suis complètement plein. Ça, on en a que deux. Voilà, ça se fait, tranquille. Non, c'était bien par là. Non, c'était par là-haut. Let's go! 1, 2, 1, 2. Non, c'est faut descendre par l'autre côté pour aller là. Non, je pense pas que je vais y aller. Dans ces coffres, il y a toujours la même chose. Descends prudemment. Et cela oui. Ne m'intéresse guère. Donc elle veut voir où on en est de la fête. Et après derrière les moulins, oui on remonte. C'est là où il y avait la porte qui était bloquée tout à l'heure.
On y est. On dirait que la fête a vraiment commencé. On peut passer par là? Ce sera agréable. Ils ont encore l'air heureux. Béni soit la mer! Béni soit les jours où il reviendra! Regardez-les. Ils savent vraiment faire la fête. Et s'ils savaient la vérité? Ils n'en ont pas besoin. Et c'est mieux pour nous qu'ils ne sachent pas. J'aimerais être comme eux. Il faut juste que tu surmontes tout ça. Et comment je dois faire? Juste en pensant à autre chose. C'est notre tour là-bas, non? Eh bien, une partie au moins. Tout est si vieux. Comment est-ce qu'on pourrait trouver quelque chose d'utile ici? Il y a forcément quelque chose. Le passé ne meurt jamais, Hugo. Des bribes de ce passé ont voyagé jusque dans tes rêves, non? Et ce sanctuaire avait encore beaucoup à nous révéler. Mmh. Oh yeah. On trouvera quelque chose dans cette chapelle. La porte est ouverte, en tout cas. On y est presque. Hugo, attends. Mon proche chevalier prendrait-il cette tour pour moi? Quoi? Montre-moi comment tu donnes la charge. Va la prendre pour moi. Vas-y. Oui. Ne t'éloigne pas trop. Oui. Merci. C'est un peu dur pour lui. Je voulais te demander. T'es sûre de toi à propos de tout ça? Ça a l'air de peser lourd sur lui. Je sais. Et c'est le cas. C'est pour ça qu'on fait tout ça. Écoute, on se connaît pas bien, mais... Vous chassez des fantômes. Des fantômes qui le terrifient. On a vécu l'enfer, Sophia. Tu ne peux même pas imaginer. T'as raison. Mais doit-il vraiment souffrir davantage? C'est la seule chose qui nous reste. Je comprends. Très bien. Vous êtes trop lente! Hey, sois gentille avec les personnes âgées. T'es pas si vieille que ça. Alors, cette tour est déjà à toi? Non, la porte est fermée. Verrouillée de l'autre côté. Est-ce qu'on va jeter un œil alentour? Of course! Là! On va vraiment la... Je ne te l'ai pas dit, mais Hugo est un roi et je suis le capitaine de sa garde. Donc tu vas régner sur ça? Mais tu peux être ma... contrebandière! Un contrat royal? Quel honneur! N'oubliez pas qu'on a tout de même un vrai fort à conquérir. Ah, t'as raison. Le fort et sa chapelle. Oh yeah! Par ici. Le cadenas ici. Et bing. On va devoir sauter. D'accord. Wahoo. La belle tour à rénover. On va pas se mentir. On y est. Vous êtes prêts? Oui. Continuons. Let's go. Le voilà. J'espère que ce fort est un peu moins bondé que leur sanctuaire. En tout cas, c'est déjà beaucoup moins... attirant. Je doute fort que le comte et la comtesse aient étudié les parchemins de l'ordre. Pour eux, c'est un endroit bien trop sacré. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Oui. En route. Qu'est-ce qu'il y a? Une tempête approche. Comment tu le sais? Je le sais.
Il est triste. Et tout ça à cause d'un rêve. C'est quand la dernière fois qu'un rêve a changé ta vie ? Le jour où je suis devenue adulte. Hé ! C'est une jolie fleur. Tu la veux ? Bien sûr. Il fut un temps, c'est à moi qu'il offrait des fleurs. Le temps passe, mon trésor. Ils grandissent. Allez, on doit rejoindre ce fort. Et vite. On pourrait rester là. C'est chouette ici. Rester ici ne t'aidera pas, Hugo. On doit y aller. Et puis, une tempête approche. Dis-moi, Hugo, tu as déjà offert une fleur à une fille de ton âge ? Non, je préfère les plumes maintenant. Ah, on passe à des choses plus palpitantes. Des fleurs, des plumes. Les plumes, c'est mieux. Pourquoi ? Parce qu'elles te font voler. Je comprends. Ne t'envole pas tout de suite, s'il te plaît. On va avoir un problème. Comment on va traverser ? Jetons un œil en bas. Bouffé par les vers. Ne t'approche pas trop. Ce pont a l'air d'être prêt à s'effondrer. Voyons si on peut l'aider. Peut-être avec mon arbalète. Oui, ça va marcher. Avec un peu de chance. Nice, t'as une duration de l'arbalète. Eh ben, ça a marché. Regardez ça, un vrai pont d'or. Il tiendra. Évite de sauter dessus. Waouh, regardez cette vue. Magnifique. La mer te manque déjà ? Pas encore, mais ça reviendra. Mais tu vas pas partir maintenant, hein ? Non, pas avant d'avoir remboursé ma dette envers ta sœur. Quoi ? Elle t'a pas raconté ? Elle m'a sauvé la vie. Bon. Elle a bien fait. Je suis bien d'accord. Qu'est-ce qu'il y a par là ? Des plumes de mouette ? Un chouchard qui brille ? Ce bateau a l'air très très vieux. Oui. Qui sait ce qu'il pourrait bien nous raconter ? Qu'est-ce qui arrive aux gens quand leur bateau se casse comme ça ? Certains survivent, d'autres sont emportés par la mer et dorment pour toujours, bercés par les vagues. C'est joliment dit. Et après, ils nourrissent les crabes. Oh ! Merci, Sophia. De rien. Pas de plume. Juste un coffre qui brille. Nice. Et c'est reparti. Voilà notre fort. C'est grand. Ça... ça fait peur. Ce bâtiment sur la gauche, on dirait notre chapelle, non ? Je crois bien. Oui, parfait. Continuons à suivre la côte. Pas mal, hein ? C'est de toute beauté, hein ? Petite vague, là, blam. Atteindre cette chapelle. Amicia, il y a un cadavre ici. Eh bien, nous serons prudents. Ah, on a intérêt. Bon, allons-y. Super bizarre. Allez, monte. Oui. Fuir, l'ami. Quoi ?
respirer, cet enfoiré. Faut vraiment le ramasser. C'est qui? Je ne sais pas. Reste baissé. En voilà d'autres. J'ai eu celle-là. Les autres se sont enfuis. Merde! Montez la garde au cas où ils reviennent libérer le reste. Je vais ramener celle-là. Compris? Les autres. Lâche-moi, sale porc! T'inquiète pas. Bientôt. J'ai besoin de silence. Tuez tous les intrus. Ton sang. Qui sont ces gens? Je dirais des esclavagistes à vue de nez. Des esclavagistes? Ils capturent des gens et les vendent comme du bétail. C'est vrai, mais ça ne nous arrêtera pas. Tu n'as rien. Non, je crois pas. J'aurais pas dû venir ici. C'est vrai qu'on peut faire ça maintenant. Discrétion. Ça va vous? Tranquille? Prêt à tuer. Pas de temps à perdre. Bon sang. Ah, j'espère que Milo a raison. On peut pas se permettre de perdre plus d'hommes. Ça en vaut la peine? On lui a fait confiance jusqu'ici. Tout s'est tué. Il y en a un dessus. Il n'y a pas de rame ici. Le pouvoir du goût. Qui est en bas. Lui, il a un casque. Carton rouge encore là. Ça doit être dans ma tête. Je
Ninja. Quoi? Je t'avais jamais vu faire ça. Je déteste ça. Mais je finis toujours par devoir le faire. Sale petite fouine. Me dis pas que tu t'es endormi. Cette vrogne, debout! Ça revient plus, hein. Ouais, j'ai voulu la jouer ninja avec vous, vous avez pas voulu. Personne. Bah ouais, hein. J'ai plus mes couteaux. Donc côté gorge ou quelqu'un, tu perds le couteau. Coffre, hein, tranquille maintenant. Super. Moi je récupère mes carreaux.
Headshot. Des coffres qui brillent, des coffres qui brillent. Mais pourquoi il y a des esclavagistes? Pourquoi ici? Il y en a partout. Comme les traîtres et les assassins. Tu sais que les gens comme ça existent, Hugo? Oui. Il y a une autre corde ici. Wow. C'est notre moyen d'entrer. Terroriste. Tire. Il faut partir avant qu'ils arrivent. Oui. Attention en descendant. Ah. Ahou. Rien d'autre par ici. Let's go.